Et nous sommes en ligne avec Olivier Juprel. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors vous êtes où d'abord là exactement? Là on est à Shanghai. On était à Wuhan hier, une petite bourgade de 15 millions d'habitants. Et demain on sera à Pékin. C'est ça la Chine, hein. Ce sont des petits villages de quelques millions d'habitants. Et alors expliquez-nous tout d'abord un peu ce festival Mars en folie et comment est-ce que vous vous êtes retrouvé embarqué dans cette tournée en Chine, vous, Geronimo? Eh bien, en fait, il y a donc ce festival qui est organisé chaque année en Chine et qui met la francophonie en avant. Il y a un comité qui décide un petit peu dans les offres qu'ils reçoivent, qui va venir. Et cette année, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour venir, présenter mes chansons pendant 15 jours dans plein de villes chinoises. Et donc j'ai demandé à Geronimo de m'accompagner à la guitare et de lui proposer également de chanter quelques chansons pendant le set. Bon, alors quel est l'accueil qui est réservé à vos chansons? On sait que les Chinois aiment la musicalité de la langue française. Comment ça se passe là-bas? Eh bien, le public est déjà très nombreux. On joue tous les soirs dans des salles de plus ou moins 800 personnes qui sont pleines à craquer. Le public est chaleureux, enthousiaste, plutôt dynamique, assez souriant aussi et vraiment francophile. Il y a un intérêt pour la langue française. On parle de Piaf, de Ferré, et il y en a beaucoup qui viennent nous parler en français aussi après les concerts. On essaie de les rencontrer et les questions posées par les fans sont souvent très intéressantes et plutôt pertinentes. Ouais. Est-ce que ça attire aussi les médias chinois, ces chanteurs qui s'expriment en langue française et qui viennent tourner comme ça en Chine? On a beaucoup d'interviews, les interviews sont souvent beaucoup plus longues en Chine que chez nous. Là, j'ai fait une interview il y a quelques jours pour la chaîne nationale chinoise, une interview télévisée. Donc oui, alors du coup, ça devient très très vaste au niveau de la diffusion, c'est plutôt vertigineux. On essaie de pas trop y penser quand on répond aux questions. vous allez revenir quand même, Olivier, après, vous n'allez pas vous installer. On espère, parce que évidemment, ici, on a vendu beaucoup, beaucoup de disques. Bon, après, c'est un très long voyage, la Chine est très vaste, et donc, on est fatigué. On a la chance de pouvoir boire de la bière belge quand même dans les quartiers un petit peu, les bars branchés. On espère revenir, on a pris beaucoup d'images, et on espère évidemment pouvoir réitérer l'expérience. Ouais. Le festival Mars en folie, vous êtes là-bas jusque quand encore? Alors, on est encore là quelques jours seulement. Dimanche, on est en congé pour la première fois depuis 15 jours. Et puis après, c'est retour vers Bruxelles. Merci Olivier Juprel d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Je voulais vous proposer un petit truc justement pour cette journée de congé dimanche. On a pris une caméra avec. On va essayer d'aller sur la muraille de Chine. Si on prend quelques images d'un guitare-voix, on essayera de dédicacer la vidéo à toute l'équipe d'Entrée sans frapper. Oh, écoutez, c'est super gentil. Merci beaucoup. Et nous, on vous promet en retour, bien évidemment, Olivier, de la diffuser sur notre Facebook et sur le site de la première. On reste effectivement en contact. Merci, Olivier. On vous souhaite une bonne fin de tournée et on vous écoute sur la première. Que tu donnes sans pudeur, juste pour la douleur.
mal à vivre avec allure et ce qu'il me faut de démesure. Cette nuit qui n'en finit pas.